L'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 fait à nouveau chuter un proche de Donald Trump. Roger Stone a été arrêté puis inculpé vendredi avant d'être libéré sous caution. Ce conseiller de l'ombre dénonce des poursuites politiques et assure qu'il plaidera non coupable. À aucun moment je ne ferai de faux témoignages contre le président, ni n'inventerai des mensonges pour alléger la pression qui pèse sur moi. Je suis impatient de faire valoir mes droits. Ce très proche de Donald Trump est visé par 7 chefs d'accusation, dont ceux de fausses déclarations, subornation de témoins et obstruction à une procédure officielle. Comme à son habitude, c'est par un tweet courroucé que le président américain a réagi. Il dénonce une chasse aux sorcières visant, selon lui, son entourage. Cette nouvelle inculpation d'un proche de Donald Trump est une mauvaise nouvelle pour le président qui clame qu'il n'y a jamais eu de collusion avec Moscou. Jusqu'ici, les investigations n'ont pas directement mis en cause le milliardaire républicain.